cette capsule, nous allons parler d'un personnage historique très important pour le développement de la Nouvelle-France, Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois est une religieuse née dans la ville de Troyes, en France. À l'âge de 33 ans, elle décide de tout abandonner et quitte vers la Nouvelle-France où elle veut ouvrir des écoles. Elle croyait que tous les enfants de la colonie avaient droit à l'enseignement gratuit. À son arrivée, en 1653, elle s'installe à Ville-Marie. C'est le premier nom de Montréal. Mais il y a un petit problème. Il n'y a pas assez d'enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Donc, tous les enfants de Montréal étaient alors trop jeunes. Marguerite Bourgeois va devoir attendre quelques années. Pendant ce temps, elle aide des familles, elle peut aussi aider en soignant des gens. Maisonneuve, le fondateur de la ville, lui offre une étable pour qu'elle la transforme en école. Elle ouvre officiellement la première école de Ville-Marie. Pour l'aider, elle fonde la Congrégation de Notre-Dame. C'est un groupe de religieuses qui, pendant des années, va travailler pour développer l'éducation au Québec. Et pour ceux qui doutent encore du courage de Marguerite Bourgeois, eh bien, sachez qu'elle a traversé 7 fois l'océan Atlantique en bateau.